Un biscuit. Ici, moi, quand mon père a acheté en 1962, à les terres du coteau, il a planté les vergers de pommiers. Moi, je venais plus ici, dans ce creux de vallée. Je me suis dit un jour, s'il me donne l'endroit, ça, c'est un endroit qu'il faut préserver. Léon ! Arrivé dans la pièce, regardez comme j'arrive. On arrive courbé ici. Alors, au Moyen-Âge, vous voyez, les familles descendaient par ce gros trou. On passe par ici ? Vous faites attention à la tête ? Alors, je vous éclaire, attention la tête. Ça a été des découvertes. En dégageant, tiens, une pierre trouée, qu'est-ce que c'est? Une cheminée d'aération ici. Ça a été un rêve d'enfant. Est-ce que dans les châteaux forts, vous connaissez une meurtrière? Oui. Vous avez jamais vu des meurtrières? Oui. Alors ici, au Goupillères, dans le souterrain, il y a une meurtrière. Il y a un lézard. Un gardien paysan avait quand même une porte au départ, une deuxième, une troisième. Ben, imaginez qu'un brigand puisse trouver l'endroit, casser la porte. Il arrivait en face de ce couloir, et là, venez voir la meurtrière. Est-ce que tu vois le jour au fond? Oui. Eh bien, imagine à l'époque, un méchant qui arrivait, il recevait un pic en fer. Moi, j'ai des racines paysannes, et ça, faut les garder, ces racines. Alors, c'est vrai que le monde paysan était très important à une époque, hein, mais il faut garder ça en mémoire. Un livre, c'est bien, mais la réalité, c'est mieux.